Donc je fais un versus réalité sur Shein. Donc ça fait un moment que je devais la faire. En plus, je crois que ça fait une bonne semaine que j'ai pas fait de vidéo, pas eu trop le temps. Donc là, je suis hyper contente. Donc forcément, les vêtements sont là, sont plus dans les pochons parce que ça fait quand même un petit moment que je les ai. Mais je voulais enfin vous faire la vidéo. Donc on va commencer tout de suite. Donc on va commencer par cette robe. J'adore les robes écossaises. Donc c'est une robe assez longue. Donc là je vois qu'il y a un petit fil. Donc c'est une robe qui se présente comme ceci. Un col rond avec des manches longues. Donc c'est une matière, on va dire, très souple. Mais par contre, c'est une matière collante. Donc qui colle vachement au corps. Donc il faut mettre éventuellement un corsaire. Parce que franchement, comme moi. Actuellement, j'ai encore un petit bidou. Je peux vous dire que c'est pas évident de mettre une robe assez élastique comme ceci. Donc, sinon, elle va jusqu'en dessous des genoux. Et franchement, la matière, elle est vraiment douce, quoi. Elle est pas rêche. J'aimais vraiment le style. Pour ce qui concerne comment dirais-je, oh, je trouve même plus mes mots. Ce n'est pas transparent, c'est ça que je voulais dire. Donc ça, c'est tip top. Parce que bon, comme on sait toutes, Shein, en général, il y a beaucoup de vêtements qui sont transparents. Donc écoutez, moi, on va l'essayer et on va voir ça tout de suite. La voici. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, donc on va enlever les boots parce que j'avais mis des boots. Donc, hop là. Ah. Donc, elle va jusqu'en, hein, vous voyez, jusqu'à en dessous les genoux. Et franchement, donc comme je vous ai dit, voilà, on voit mon bidou. Donc on a l'impression même que je suis encore enceinte. Et ce n'est pas le cas. Donc voilà, donc il faut porter, je pense, un corsaire. Parce que franchement, et elle est très très agréable au toucher. Je l'ai trouvée magnifique, cette robe-là. Alors mon homme n'aime pas beaucoup, voilà. Mais moi j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je l'aime beaucoup. Article suivant. Sachant que la robe, au fait, je vous ai pas dit, c'était du L que j'ai pris, hein. J'ai pris assez grand parce que je me suis dit. Alors, je prends le prochain article, qui est un joli petit pull comme ça, gris chiné. Voilà. Donc, je l'ai lavé à la main parce que ça se lave pas en machine. C'est une manche trois quarts, un peu avec chauve-souris, un peu, hein. Et c'est encore. Non, cette fois-ci, c'est un col en V. Donc, franchement, il est très très joli. Et par contre, quand je l'ai reçu, il sentait super mauvais. Alors, sachant que. sachant que ce pull-là ne va pas en machine, je peux vous dire que j'en ai mis du produit. Hein, j'ai bien frotté. Mais franchement, je le trouve hyper mignon. Et je l'ai pris aussi. Je crois que je l'ai pris en L. Je vais vous dire ça. Je ne sais plus du tout. Ben, c'est pas marqué. Bon, ben en tout cas, ça doit être du L ou du M. Je me souviens plus trop, mais il est super mignon. Donc, on va essayer tout de suite. J'espère qu'il va être bien. Alors, le voici. Donc, un peu transparent. Donc, je pense qu'en dessous, il faudrait mettre, je pense, un petit débardeur. Parce qu'on voit quand même mon soutien-gorge. Mais, franchement, moi, je sais pas, mais je l'adore. Franchement, donc je ne l'ai pas encore mis parce que j'ai mis du temps à vouloir le laver à la main. Et surtout qu'il fallait qu'il sèche bien parce que c'est une matière un peu rêche. C'est pas doux, hein, au toucher. Et avec le petit col en V, moi je trouve que ça fait sympa. Alors après, bon, c'est sûr que ça fait large. Hein, c'est style chauve-souris. Hein, mais moi j'aime bien, c'est ample. Et je trouve que ça rend bien. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Hein, dites-le moi. Article suivant, je l'ai en bas. C'est un pantalon. Alors celui-là, je l'ai mis je sais pas combien de fois. Il est comme ça. Donc, c'est un pantalon stretch. Pareil, je vais vous le montrer. Voilà. Donc, il vous dessine bien les fesses. Franchement, il est nickel. Hop, que je ne me pète pas la binette. Donc, c'est un pantalon qui est vraiment qui est agréable. Je l'ai pris en M, j'avais vraiment peur de ne pas pouvoir rentrer dedans. Et vous voyez, avec mon petit pull gris que vous avez vu tout à l'heure,
Il me va parfaitement bien. Donc je sais pas si on le voit bien, ou il s'arrête au niveau de la cheville. Je sais pas si on voit bien. Je suis désolée pour l'éclairage, pour l'essoufflement et pour la visibilité qui est un petit peu réduite. J'essaie de faire ce que je peux. C'est la première fois que je fais ça comme vidéo. Donc s'il vous plaît, soyez indulgents. Te, ou pas, hein, mais soyez indulgentes s'il vous plaît, parce que franchement, c'est pas évident d'essayer les vêtements et de vous montrer les vêtements avec mon portable. Voilà, c'est juste un petit bémol. Donc voilà, donc je sais pas si vous allez voir grand chose, mais le pantalon, moi je trouve qu'il me va vraiment bien, je suis hyper bien dedans. Donc franchement, je suis ravie. Donc l'article suivant. L'article suivant, donc c'est ça. C'est un... j'ai essoufflé, moi. Celui-ci, je l'ai déjà porté. Donc c'est un petit haut blanc, comme ceci, avec donc un col roulé. Et sur les manches, vous avez des boutons dorés. Et franchement, c'est ça que j'ai aimé. Par contre, il est transparent. Donc vous allez voir, hein, j'ai le porté. C'est le seul bémol, c'est qu'il est transparent. Mais bon, après, soit vous mettez un petit débardeur en dessous, ça, comme ça on voit pas le soutien-gorge. Donc voilà, donc on va l'essayer tout de suite. Bon, j'enlève ma pince, parce que ma pince elle passait pas au niveau du col. Donc voilà, je me suis détaché les cheveux. Comment dire, alors là je sais pas si c'est parce que je l'ai mis en machine déjà, mais il est un peu plus serré. Alors soit j'ai repris du poids, ça me fait un peu chier. Mais voilà, donc je vais vous montrer comment il donne, ce qu'il donne. Donc voilà, donc vous voyez, hein, c'est quand même transparent. C'est le seul bémol. Mais j'adore ces les petits boutons comme ça. Je trouve ça super joli. Alors c'est assez long les manches, mais moi j'adore. Vous voyez, je trouve ça super joli. Ouais, mon fils me disait qu'il m'allait super bien. Maintenant, l'inconvénient, c'est que c'est vrai que quand je l'ai mis, alors sachant que j'ai en dessous mon pantalon, j'ai un collant, donc forcément, ça laisse des traces. Mais franchement, avec un jean et tout, ça passe crème. Hein. Franchement, après, bon, bah, moi, il faut que je reperde encore du poids. Hein. J'ai pas tout perdu de ma grossesse, c'est une grosse galère. Voilà, donc désolé pour les bourrelets. Mais je les assume, hein, c'est comme ça. Ça va partir, hein. Mais franchement, non, c'est super joli. Avec une petite veste en jean, ça peut être sympa aussi. Mais après, le but, c'est de qu'on puisse voir les boutons. Moi, je trouve que ça, c'était le truc que je kiffais. Et le dernier article, et pas les moindres, parce que je l'ai mise à une soirée, je crois. À un repas. Et celui-là, il est magnifique. Donc, c'est un haut noir comme ça. Donc, tout dedans, c'est de la dentelle qui est en haut, hein, avec un petit col rond. Vous avez des manches évasées, comme ceci, un petit peu évasées, bon, très léger, hein. C'est pas du gros évasé, hein. Voilà. Et sinon, ici, c'est un petit peu, voilà, je sais pas si vous allez bien voir, voilà. Derrière, vous avez une fermeture. Voilà, c'est pas du tip-top, mais ça va, les dentelles et tout. Franchement, la fermeture, on la voit même pas. Et franchement, j'ai adoré, c'est le devant, quoi. Vous voyez ça? C'est trop joli, hein. C'est tout en dentelle. Et voilà. Hein, donc c'est franchement très joli. J'ai hâte de vous le montrer parce que celui-là, je l'ai mis. Je l'ai déjà essayé. Et franchement, j'ai adoré. Même mon homme, il m'adore dedans. Donc je vous montre ça tout de suite. Recoucou. Voilà, je l'ai mis. Donc déjà de loin, ça fait ça. Voilà. Donc franchement, je l'adore. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, les petites dentelles. Donc après, vous faites attention pour le soutien-gorge, hein, là. Mais franchement, en plus, c'est stretch, hein. C'est assez élastique. Donc même si vous avez du bidou, franchement, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je l'adore ce haut. Il me va super bien. Et puis, alors, les dentelles, là, j'adore. Franchement, c'est... Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de ce petit haut, mais... Et franchement, derrière, la fermeture, on la voit pas trop. Non, on la voit pas trop. En tout cas, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup.
J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après, c'est sûr que c'est évasé, hein. Donc, il faut aimer. Mais moi, je trouve que ça me va parfaitement bien. Bon, en tout cas, moi, j'aime bien. Voilà. Parfaitement bien, je sais pas si ça va parfaitement bien, mais bon. Voilà pour mon haul versus réalité chez In. Pour moi, c'est donc une première, comme je vous ai dit tout à l'heure en début de la vidéo. Je reprends mon souffle. C'est pas évident, j'avoue, c'est vraiment pas évident d'essayer et de montrer. Je voulais vraiment vous montrer les vêtements. D'habitude, je les montre pas à essayer. Donc, je vous avouerai que je suis pas encore à l'aise avec mon corps. Mais je trouvais ça un peu plus sympa parce que c'est vrai que j'en vois beaucoup de ces vidéos-là. Et c'est vrai que ça permet aux gens de voir ce que valent les vêtements. Et franchement, franchement, j'en suis ravie. Donc, je sais que j'ai fait une autre commande chez Shein. Donc, sûrement, je vous en ferai donc forcément une versus réalité Shein bientôt. Et j'espère que ça vous a permis de voir des vêtements. Parce que même ce petit haut noir que j'ai sur moi, on peut le mettre pour les fêtes, par exemple. Avec une petite jupe ou un jean, ou ça peut être sympa. Voilà, donc dites-moi en commentaire si il y a des vêtements qui... Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Après, faites pas attention, j'ai des kilos en trop encore, je suis désolée. c'est comme ça, hein, je suis pas taille mannequin. Mais j'ai voulu vous montrer ce que j'avais acheté et je trouve que c'est quand même plutôt sympa de pouvoir, comme ça, qu'on discute dans les commentaires par rapport sur les vêtements que j'ai pu acheter. Peut-être que vous en avez acheté, peut-être les mêmes, je ne sais pas. En tout cas, dites-moi en commentaire. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. J'essaie de faire d'autres vidéos, mais c'est vrai que j'ai pas trop le temps en ce moment. Donc, pardonnez-moi. En tout cas, je ferai d'autres vidéos prochainement. Et sur ce, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Bye!